Aldi de Damari, regardez, j'ai quoi? Là, j'ai un truc là pour chasser les mouches. Plus là, donc on sera en été pour ceux qui vont manger dehors, tout ça. Voilà, ça c'est bien ça pour chasser les mouches. Donc ça chasse les mouches. Vous voyez? Donc je sais pas, ça coûte combien. Je sais pas, ça coûte combien. Aldi, je suis Aldi. Aldi de Damari Lélis. Je sais pas, ça coûte combien. C'est écrit quoi? C'est chasse mouche électrique. Chasse mouche électrique. S'ils ont pas mis les prix. Bref, en tout cas, il y en a Lidl, Aldi, pardon, de Damari. Donc, comme vous avez pu voir dans la vidéo, dans la vidéo chez Aldi, le chasse-mouche, je ne sais pas à combien il était, j'ai oublié de demander parce qu'il n'avait pas affiché les prix. Mais ici, vous pouvez voir le même chasse-mouche sur Internet, sur Amazon. Il y en a qui le vendent à. C'est les chasse-mouches électriques, hein. Il y en a qui les vendent à 16 euros, il y en a qui les vendent à 26 euros. Donc 25,99 et 15,99 €. Je ne sais pas c'est quoi la différence exactement. Si vous voulez, on regarde. Celui de 15,99 €. En tout cas, je suis sûr que même si c'est les mêmes prix chez Aldi, au moins vous les aurez le même jour. Mais avec si vous commandez sur Internet, bah, déjà vous les avez mardi. Si vous commandez par exemple aujourd'hui, vous voyez vous-même, livraison gratuite mardi 26 avril. Ou livraison accélérée demain à 21 avril. Bon, accélérée, certainement, vous devez payer en plus, parce que comme je sais, ils vont pas vous faire ça cadeau. Voilà. Donc ici, pourquoi ça coûte que 16 euros, 15,99 € 16 euros, bah, je sais pas pourquoi exactement. Certainement parce que. Je sais pas. Donc, on va voir. Donc, il y a écrit Cardigo, pas répulsif à pas multi-insectes, mouche, moustique, moucheron extérieur, etc. Bref, Nouveau-Mexique, etc. C'est écrit quoi Cardigo, répulsif à multi-insectes. Alors, lui, par contre, je sais pas s'il est électrique, mais certainement. Ouais, on met des piles dedans. On met des piles. Ok. Je sais pas pourquoi il coûte 15 euros. Donc vous pouvez aller regarder vous-même sur Cdiscount. Voilà. Et l'autre, pourquoi il coûte 26 euros sur le même site, Cdiscount. Mouches et moustiques repoussent les ventilateurs d'insectes. Gardez les mouches et les insectes loin de la nourriture sans utiliser de produits chimiques. Profitez de vos repas à l'extérieur. Alors, là, ici, c'est. Ici, je sais pas c'est quoi le délire. Ici, je sais pas c'est quoi le délire. On peut même l'accrocher d'en haut. Intéressant. On va voir là. Deux pièces en stock. Nanana, etc. Voilà, vous pouvez aller voir vous-même sur Internet. Mais en tout cas, je ne vous conseille pas d'acheter sur Internet parce que. Ouais, ils disent en fait dans les 4h52. Donc si vous commandez tout de suite, vous pouvez les recevoir. Bon, après ça, c'est du blabla des fois. C'est juste pour vous inciter à commander sur leur site. Mais voilà, si vous pensez que. En tout cas, vous faites votre choix. Moi, je vous informe seulement de. Voilà, que chez Algi, au même prix, peut-être au moins, vous pouvez trouver le même jour. Mais par contre, ici, bah, vous payez peut-être plus et vous recevez le lendemain ou le 26 avril, si vous commandez aujourd'hui. Ou je sais pas. Voilà, ils ont bien mis livraison gratuite mardi 26 avril. Donc, ou livraison accélérée. Donc, c'est pas gratuit, certainement. Voilà. Ok, donc vous faites votre choix. Là, t'as un truc pour faire les pâtes là. Machine à pâtes, 22 euros. Machine à pâtes, séchoir à pâtes, etc. Voilà. T'as ça. Ici, on a un désherbeur avec gaz universel, etc. Voilà, c'est pour désherber chez vous.
Voilà, c'est intéressant ça. Et ça coûte 22 euros. 22 euros, 21,99. J'ai arrondi. Et le gaz universel, 3,50. Je ne sais pas si ça va avec pour 22 euros ou pour 22 plus 4 euros. Donc en tout ça vous revient à quoi? 20 euros. Vous les retrouvez sur Internet. Voilà, vous avez les prix ici. C'est toujours un peu plus cher. Bon, après, les livraisons, vous connaissez déjà, ça arrive un peu plus tard. Alors que maintenant, cette semaine-ci, chez Lidl, il y en a là-bas. Donc, je vous invite à courir vite là-bas. Chez Aldi, pardon, je me trompe toujours avec Lidl. Chez Aldi, et vous allez voir, que ça sera tout un total bénéfice pour vous. Voilà. Après, pour ceux qui sont en manuel et tout ça, il y a un désherbeur manuel ici. Voilà, vous pouvez le voir là. Ça commence à coûter moins cher. 9 balles. 9 balles, désherbeur manuel. Voilà quoi. On a quoi ici? Une couverture chauffante électrique. 40 balles. Voilà. Chez Algi à Damary-de-Nice. Pour les bricoleurs, c'est un truc de vélo pour retourner le vélo et voilà faire ce que vous avez à faire avec votre vélo. Je sais pas comment ça s'appelle, support de fixation pour vélo. Donc si on regarde ici, je sais pas, porte-vélo, 10 balles. Voilà, donc c'est ça, ça vaut 10 balles. Barbecue au charbon, 150 balles, 149. Voilà. Un central vapeur à 100 balles, donc comme vous pouvez le voir ici. Je sais pas si le central vapeur c'est le truc là, le fer à repasser, ou si, je sais pas si c'est quoi exactement. Voilà, donc barbecue maison, maçon, XL, je sais pas, maison ou je sais pas, il coûte 40, 149 balles. Barbecue charbon, intéressant pour les connaisseurs. Chauffage terrasse 200 balles, donc je sais pas c'est quoi exactement. En tout cas, vous avez le choix. Voilà, guette. Là, je suis au Carrefour Market. Voilà, là, j'ai des pailles. Des pailles en inox qui coûtent 1,79. Guette, j'ai quoi ici? C'est un truc pour les frites. Voilà, un truc pour les frites qui coûte 99 centimes. 1 euro quoi. C'est un truc en verre. Voilà, tu veux mettre des frites dedans. Au lieu de mettre les frites partout, partout, tu vois, quand ça occupe trop de place là. Tu mets ça là, juste là-dedans. Tu tapes des frites normales. C'est stylé. J'aime bien, j'aime bien. 1 euro. À Carrefour. Carrefour Market. Il y en a encore à Carrefour Market de Melun. À Melun, dans le centre-ville, le grand Carrefour Market à Melun, dans le centre-ville. Regarde à quoi ici. Toi qui as tout le temps du mal à ouvrir les bouteilles fermées par les Goliaths. Voilà. Donc tu as ça, tu pourras ouvrir avec ça facilement, comme si tu avais un bras de fer. Voilà. Il y a ça qui est vendu au marché. 2 euros, 2 euros, le prix là, 2 euros, c'est pour ouvrir les boissons qui sont fermées à mort et tout ça. Voilà, vous pouvez voir sur des sites certifiés, comme bon, AliExpress, ça met des mois à arriver hein, chez vous, ça sert à rien. Donc, par exemple, sur bon, à peu près la même chose ici sur ce qui coûte presque 5 euros là, mais vous voyez sur internet ça coûte cher. C'est mieux d'aller au marché comme je vous ai montré là parce que même chez Carrefour ça coûte cher, ça coûte 3 euros quand même. Bon, ça va, mais sur internet c'est pire. Voilà, vous voyez les prix là, c'est pas possible, c'est pas possible. Vous voyez. Là, c'est pas possible.
ça coûte grave cher. Donc je vous recommande d'aller dans les marchés. T'es pas de si, par exemple, si vous voulez quelque chose qui va vous durer dans le temps, voilà, vous avez des choses qui coûtent grave cher, comme 12 euros, 9 euros. Après, vous pouvez voir comme ce ouvre-bouteille multifonction qui coûte 226 euros 80 centimes, qui va vraiment vous durer dans le temps, des années, voilà, si je peux dire pour l'éternité, jusqu'à votre mort. Mais voilà, donc pour profiter, voilà, des petites choses, voilà, vous avez ça, 1,70 € un nouveau bocal, etc., comme celui que je vous ai montré. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et activer la cloche de notification pour justement recevoir les vidéos chaque jour que je fais qui vont vous servir, qui vont donner de bonnes informations. Donc là, ça vous le trouvez au marché de Savigny, 1,50. Voilà, 1,50. Au marché de Savigny, dans le 77. Ça, 4 euros, il m'a dit. La même chose, 4 euros. Voilà. Voilà, comme vous pouvez voir dans la vidéo. Voilà, il a ça ici, lui. Vous voyez, c'est ça. Ce que je vous ai montré. Voilà, il a plusieurs modèles. Il y a ça aussi. Voilà, il y a ça. Là, je crois qu'il y a trois modèles. Et chef, ça c'est combien ça? 1,50. 1,50, ça aussi? Ça, c'est plus cher. 4 euros? Et ça? 4 euros? Celui-là 5 euros. Ça 3 euros. 3 euros. D'accord. Ok. Merci. Voilà. Regardez sur Amazon combien il coûte. Sur Amazon, il coûte 6 euros, presque 7 euros. En vrai, il coûte même 8 euros. Et ils ont juste réduit de moins 22%. Au marché, il a 1,50 €, mais regardez sur Amazon, il coûte 8 euros. En plus, si vous le commandez aujourd'hui, il arrive le 23 avril. Donc, moi, je trouve que c'est mieux de commander au marché. C'est-à-dire, s'il y a un marché aujourd'hui, de toute façon, il y a des marchés tous les jours. Dans toutes les villes, dans chaque ville différente. Il y a des marchés tous les jours. Par exemple, moi, je suis dans le 77. Il y a un marché le mardi et le vendredi dans une ville qui s'appelle Savigny-le-Temple, dans le 77. Il y a un marché qui est ouvert le samedi et le mercredi dans une autre ville qui s'appelle Melun. Il y a des marchés tous les jours, en fait. Donc, ça veut dire que toi, tu te réveilles un matin, tu veux acheter ça. Tu vas, tu achètes ça déjà 4 fois moins cher que sur Internet. Et en plus, tu l'as le même jour. Alors que sur Internet, comme sur Amazon, par exemple, là, les mecs, ils le vendent à 4 fois plus cher qu'au marché. Et en plus, il arrive 4 jours après. 3 jours après. Voilà. Donc, en tout cas, vous savez déjà faire votre choix. C'est la même chose. Et voilà. En tout cas, laissez votre gros pouce bleu. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et comme ça vous recevrez chaque jour de ce genre de vidéos et partagez au maximum. Comme ça les gens ils sauront que ça sert à rien. Il y a des produits que ça sert à rien, qui ça sert à rien d'acheter sur Internet et il y a des produits qui ça sert à rien d'acheter sur le marché parce que des fois ils vendent plus cher sur le marché que par exemple dans les supermarchés ou sur Internet. Voilà, je vous invite à vous abonner, lâcher votre gros pouce bleu et activer la cloche de notification. Bye.